On a été reçu par la commissaire. Nous avons fait un tour d'horizon du travail que le PAM fait dans le Haut-Katanga. Elle nous a transmis ses félicitations par le travail abattu et a insisté sur le fait que la collaboration entre le PAM et le gouvernement doit être renforcée. Elle a apprécié déjà cette collaboration-là qui est continue, mais elle a suggéré que nous nous rencontrions plus souvent pour travailler ensemble. Dans le Haut-Katanga, nous sommes surtout présents en milieu rural, dans les territoires de Poueto, de Mitoaba, de Manono, où nous donnons l'assistance du point de vue de la nutrition, du point de vue de l'assistance aux populations retournées et déplacées. Le PAM donne une ration alimentaire standard de 2100 kcal composée de céréales, de légumineuses, d'huile et de sel pour couvrir les besoins des populations. Pour la nutrition, nous donnons des produits fortifiés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes.